Bonjour à tous. J'avais acheté ce silo-là pour le tournesol noir. Les trous étaient assez gros pour laisser passer des graines, mais les écureuils ont grugé énormément les trous. Ils avaient très agrandi. Voyez-vous ici, le trou il était rendu grand comme ça. Alors, toutes les graines sortaient. Alors, j'ai découpé des morceaux de plastique dans des vieux contenants. Puis, j'ai perforé un trou au milieu du morceau avec une poinçonneuse, là, un poinçon pour faire des trous pour les feuilles. Alors, ça fait une grandeur de trou qui est idéale pour le niger. Alors, j'ai simplement collé avec de la colle chaude. J'ai donné la forme avant avec à chaque petit morceau rond, là, avec les pinces. J'ai donné la forme pour que ça adhère bien avec le rond du silo. Alors, j'ai collé toutes les 8 petits morceaux à chaque endroit. Fait que le grand trou, bien, il devient un petit trou. Puis cette grandeur-là, le niger sort bien. Les oiseaux sont capables d'aller chercher les petites graines de niger. Alors, ça fait tout simplement transformer un silo de graines de tournesol en silo de niger. Puis comme base, pour récupérer les graines, alors sur la dernière tige en bas, j'ai placé un plateau que j'ai perforé avec des trous, un clou, là, des trous, un marteau. Puis, j'ai attaché avec des tie wraps la tige du bas. Ça fait que c'est très solide. Puis, les oiseaux peuvent se percher puis récupérer les graines qui tombent. Alors, c'était encore une petite idée pour réparer une mangeoire afin de l'utiliser à bon escient. Merci. Thank you.